Ça, c'est yoga Kundalini, là où je viens d'apprendre avec Pierre Brigitte. Tu dois connaître ça sûrement. C'est Raja Yoga. C'est un nouveau yoga, c'est complètement génial. J'adore, moi. Je vais tous les mercredis faire ça. Je rencontre des gens super. C'est Raja Yoga. Hein, donc, le principe, c'est d'éveiller la Kundalini. La Kundalini, qui est notre énergie christique, d'ailleurs. Quand on est dans la Kundalini, on trouve vraiment, vraiment cette vibration christique en nous. Donc c'est super, il est très simple. Alors normalement, on est assis, je vais le faire debout. C'est donc, on fait des bains de pieds avec le gros sel aussi régulièrement dans les séances, j'adore. Moi, j'en fais tous les soirs. Ça enlève toutes les merdes, là, la pollution des personnes, des lieux, des endroits, de tout ce qu'on vit dans la journée. C'est extrêmement efficace de bain de gros sel. Cheville. Donc on commence par réveiller la Kundalini. Et là, donc c'est très simple. On fait à partir du premier chakra. On monte tranquillement en faisant comme ça. Tous les chakras. Une deuxième fois. Ensuite, on fait ce geste-là 7 fois pour chaque chakra, le chakra racine, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commence par mettre la main sur le chakra du cœur. Suis-je l'esprit? Suis-je l'esprit? Troisième chakra, le deuxième chakra. Suis-je mon propre maître? Suis-je mon propre maître? Suis-je mon propre maître? Donnez-moi la connaissance pure sur celui de chakra racine. Donnez-moi la connaissance pure. Donnez-moi la connaissance pure. Donne-moi la connaissance pure. On parle à nous-mêmes. On éveille le Christ en nous, la Kundalini. On revient à celui-là, je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. On va dans le chakra. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je pardonne à tous et à tous. Sans la tête un petit peu sur le troisième œil, je pardonne à tous et à tous et je me pardonne. Je pardonne à tous et à tous et je me pardonne. Derrière la nuque.
Pardonnez-moi toutes mes erreurs, l'esprit, la source. En fait, c'est la source en nous qui brille. Mais bon, moi, je fais. Comme je suis la source, je me pardonne. Et là, on dit pardonnez-moi toutes mes erreurs. On en fait, non, c'est normal, en fait, c'est la vie. Pardonne-moi toutes mes erreurs. On va arriver sur le pic, sur la temple, enfin le centre, là, il y a la fontanelle. On va tourner dans le sens des aiguilles de Mimonde en pressant. Oh, très fort. Et là, on est relié à la Kundalini. On est relié à l'esprit. Je ne me souviens plus de la phrase. C'est la phrase de l'instant présent. Je suis l'esprit. Je suis la connaissance supérieure. C'est ça qui dirige ma vie. C'est ce chakra-là. Moi, je suis alignée tout le temps dans celui-là. Hier soir, j'étais alignée dans celui-là. On ne pouvait pas m'atteindre. C'est le résultat. Donc là, c'est vraiment la reliance à l'âme. Là. Ah si, donne-moi la réalisation du soi. C'est ça la phrase. Donne-moi la réalisation du soi. Et là, on reste aligné à cet endroit-là, toute la journée. Et on peut tout vivre, même les tribulations comme vous nous l'avez vécu hier, sans aucun problème. Et on termine. Je vais vite parce que j'entends des cloches. Par à nouveau. Faire le premier geste, les mots. Ah, dis donc, ça n'a pas l'air d'être le pied de la maison là-bas. C'est la folie, hein, vous êtes complètement barjou. Gérant, ah, vous me dites que moi je suis dans l'hôpital psychiatrique, mais là je crois que c'est vachement sérieux ce que vous m'avez fait vivre hier. J'étais inscrite, hein, comme. C'est incroyable, vous rendez. Eliodore va pas bien du tout, elle est complètement anxieuse à te protéger, toi la Marie-Claude. Oh, tu me disais que t'es pas. T'es pas morte, mais t'es pas loin, ça se voit. Vos visages étaient complètement. Oh putain, je me suis régalé. Ah bah, puis. Ah bah, notre Alain, il entend plus rien. Oh, bah, il réagit plus. De toute façon, tu le gardes pour la thune, toi. Tu gardes tout le monde pour la thune. Quelle honte. Et le Frédéric. Oh bah, là, le Frédéric. J'ai même pas rencontré Brigitte. Bah, même pas eu l'honneur de rencontrer Brigitte. Elle arrive. Nous sommes divorcés, mais on a toujours des parents. J'ai été 19 ans, ta compagne. Tu me respectes pas du tout, mais tu te respectes pas du tout toi-même. Oh, bah alors là, écoutez, menacer des flics et tout maintenant, mais comment. Qu'est-ce que vous devez me. Vous avez quoi me reprocher d'être belle, lumineuse? Alors bon, bah je vais aller de toute façon demander des comptes parce que j'ai été inscrite officiellement par le conservatoire. Donc, je vais aller demander des comptes, bien sûr, au conservatoire et à Madame Pied-Noir, là, qui
qui m'avait inscrite et qui m'a jetée lamentablement. C'est extrêmement humiliant, mais enfin, c'est pas grave, moi je traverse, c'est ça l'intérêt. Quand on est l'esprit. Et puis du coup, j'ai pu profiter de filmer au PAL. Au premier rang, j'ai rencontré des gens super, une famille géniale, et comme par hasard, il y avait un petit enfant qui faisait du hip-hop, la petite fille, la maman, elle avait des dents hier. Le papa, il était très sympa, il est né le 21 juin. Voilà, et il y avait les beaux-parents de cette jeune femme-là. Et quand on s'est quitté, les beaux-parents disaient, oh là là, qu'est-ce qu'elle est super. J'ai dit, oh, regarde, elle est super, ta femme. Et il m'a dit, oh ouais, elle est géniale, je la garde. Et la belle-mère a réagi, oh, moi, j'ai jamais entendu ça de ta part. Ah, oh, ben oui, ben, je veux la garder, ma belle-fille, parce que je l'adore. Des gens merveilleux. Voilà, un super exemple. Alors, comme en contraste avec vous, là. Et puis, quand je sors, maintenant, mais vous me dites même pas bonjour. C'est incroyable, mais dis-donc. Tu te rends compte qu'Héliodore m'a dit que c'était toi, sa mère, qui s'occupait d'elle depuis l'enfance. C'est complètement délirant, Marie-Claude, tu vas pas bien du tout, hein, t'es vraiment pas en forme. Tu vois, donc, bon, regardez, moi je suis toute belle, alors je vais aller faire l'Afrique aujourd'hui. Là, je viens d'être invitée chez Allo Carrefour, il y a une très belle fête africaine à l'Halle de Béret, je suis invitée. Je leur ai dit, j'étais venue passer voir mes enfants pour la fête des mères, ben, la belle famille, ils m'interdisent de voir mes enfants depuis 7 ans. On a dit, nous, on t'invite, viens faire la fête avec l'Afrique. Donc, je vais en Afrique à l'Halle de Béret, on va danser, tout ça. Là, m'ont dit, t'as pas l'air d'une femme violente, hein. Loin de là, ben voilà. C'est ma journée de fête des mères et des gens. Je suis allée au Carrefour, j'ai sorti un peu le nez rouge. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est triste ou nette, là? Vous devez vous faire chier à Châteaubriand. Je vais vous faire chier à Châteaubriand. Parce que elle est triste, cette ville. Oh, bah, tu vois, vous voyez plus. Oh, bah, c'était pas grave, vous avez vu mon soutien-gorge. Vous devez vous emmerder, elle est terrible, cette ville de vieux, là. Là, hier, j'ai vu Léodore et Opal partir, je sais pas où, elles m'ont même pas dit bonjour, vous vous rendez compte? Ah non, mais vous êtes vachement dangereux, quoi. Oh, ben moi, je dénonce ça. Oh, ben moi, je dénonce ça. Avec mon nez rouge. Non, mais comment c'est possible de me traiter, moi, comme ça? Et de traiter les enfants comme ça, elle te protège. Tu touches pas ma grand-mère, hein. Tu touches pas ma grand-mère, on dirait une kiki des banlieues. Là, j'ai jamais vu ça. Héliodore, elle était là, grâce à danse. Opal, eh ben, va pas bien. Opal, bien sûr, elle peut même pas me dire bonjour comme vous. Non, mais attendez, c'est complètement délirant. Bon, en tout cas, ben, du coup, j'ai fait un super film, je l'ai envoyé à David. Et là, on m'a dit, ben, je vais la féliciter qu'elle danse bien, mais vous êtes complètement incroyable, hein. Oh, ben là, on va pas rester là, mais restez bien tranquillement, moi, je témoigne. Aujourd'hui, je vais faire un radio-crochet sur votre histoire. Moi, les gens, ils m'attendent de partout, ça n'arrête pas. Et, disons, on t'invite en Afrique, là, je vais aller délirer, ça va danser, tout ça, je vais adorer. Mais je vais témoigner de ce que je vis. Avec vous tous. C'est ma fête des mères. Et moi, ma fête des mères, elle a super bien commencé. J'ai plein de cadeaux. Je vais avoir plein de cadeaux africains. Des bisous, tout ça. Voilà, ils vont me faire plein de cadeaux. Parce que je les mérite. C'est ma fête des mères. Elles m'ont dit, nous, on est tes filles. Nous, on t'adopte pour la journée. Voilà, ça commence bien. Parce que, à mon avis, il ne va pas y avoir une super grande ambiance dans Château-Brabant chez vous. Hein. Ah, peut-être on va faire à la fin de la journée, une parade africaine devant chez vous. On peut laisser faire, parce que alors là, je peux vous assurer que les femmes africaines ne font pas toucher aux enfants. Et elles n'aiment pas les personnages comme vous, pas du tout. C'est des puissances, donc on peut peut-être délirer. On verra. Laissons faire. Bonne fête à moi.